nous sommes vendredi 27 mars 2020, c'est le dernier jour de la semaine. Alors aujourd'hui, pour nos premières activités, il va falloir cette feuille avec le petit tableau à double entrée où on va devoir colorier donc les chapeaux et les masques, mais pas comme on veut, il va falloir respecter la couleur qui est indiquée avec la quantité. Attention, à la fin, tout ne sera pas forcément colorié. La deuxième activité, on va continuer à écrire les lettres A, C, D, O et Q en cursive. Pour ça, il va vous falloir ceci qui est dans le carton. Donc, vous décrocherez avec le trombone. Vous avez donc 5 disques de colorer, une petite bande et cette feuille-là. Pour l'explication de l'atelier, je vous oriente à aller voir la vidéo activité écriture rond coloré sur la playlist des grands. L'activité suivante sera une petite activité de lecture avec vos prénoms. Tous les prénoms des enfants de la classe ici écrits en capitale d'imprimerie. Vous prendrez aujourd'hui uniquement la petite bande jaune avec les prénoms en script parce que c'est un travail qui est assez long. On découpe et ensuite on essaye de retrouver les mêmes prénoms pour les coller à côté. Ensuite, on va faire un petit jeu. Un petit jeu de maths que l'on connaît, on l'a déjà fait à l'école, la réussite. Donc, on prend les cartes d'un jeu de 54 cartes, mais on prend que les cartes de 1 à 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire deux lignes de cartes posées à l'envers, de 6 cartes. Et ensuite, on refait pareil, mais cette fois, les cartes seront face visible. Et le but du jeu va être de réaliser des paires avec des cartes de même couleur et de même quantité. Par exemple, ici, je peux faire le 3 noir avec le 3 noir. Quand des cartes se retrouvent à l'envers, je les retourne. Le 1 noir avec le 1 noir. Le 6 rouge avec le 6 rouge. Les 2 3 rouges. Les 2 5 rouges. 4 rouges. Les 2 6 noirs. Les 2 rouges. Les 5 noirs. Les 4 noirs, les 1 rouge et les 2 noirs. J'ai eu de la chance, ma partie est réussie. Il arrive parfois que certaines cartes ne puissent pas être retournées, en ce cas la partie est perdue. Mais c'est pas grave, on mélange et on recommence. Et le petit rituel de fin de journée, toujours avec les syllabes. Aujourd'hui, on va jouer avec les syllabes finales, c'est-à-dire la dernière syllabe des mots. Voilà, maintenant c'est le week-end, donc après reposez-vous bien et puis on se retrouve lundi prochain. Bisous!